Toussaint. Hey, yep, tout le monde, c'est Monsieur Opto. Aujourd'hui, on se retrouve sur Worms Revolution pour se faire une petite partie solo. Est-ce que on est en ligne? Je pense pas qu'il y ait des gens sur ci, mais tu joues en ligne. Je suis pas partie rapide. Match à mort. Donc une partie rapide a été trouvée. Oh, ben voilà. Bah c'est pas vraiment faire une solo. C'est tout aussi marrant. Solo. Énigme. Oh, faudra que j'essaye un jour. Campagne. J'en étais ici. Démarrer, pourquoi pas. Ok. Et donc on se retrouve pour un petit Worms Revolution spécial 2000 quoi, 2000 abonnés. La 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 la. Faites petite musique de fête, s'il vous plaît, merci. Ça fait. Ta gueule, s'il te plaît, merci. Ça fait beaucoup. J'ai eu un super cadeau en plus pour les 2000 abonnés. J'ai été invité à. Alors attendez, que je me plante pas de touche. Voilà, c'est espace pour sauter. Ouf, j'ai eu du bol. J'ai été invité à participer à la FAQ de Gilles Howell. Pas pour l'occasion de mes 2000 abonnés, mais ça tombait pile le même jour, du coup j'étais assez content. Bon, on va faire ça comme ça, ce sera très bien, on va aller récupérer ça. Téléporteur, il n'y a pas de vent, c'est cool. Nickel ça. Eh mais non, mais te mets pas à côté de moi, enfoiré, il va me péter dessus le truc. Eh bah voilà, il va exploser la gueule. Et ouais, donc je disais, ouais, c'était assez sympa. C'était marrant. Et puis voilà. Et c'était un très très beau cadeau. Et puis bah voilà, du coup, 2000 abonnés. C'est... Qu'est-ce qu'il fait? Ce type est un grand malade. Il va noyer son pote. Non, il est pas con à ce point-là. Ok, il a noyé son pote. What the fuck? Équipe de bras cassés en fait. Et donc bah voilà, et du coup je me suis dit que comme j'avais fait à l'époque avec faudrait que j'arrive à péter ce truc là. On va l'éclater hein, c'est machin, parce que ça va me saouler sinon. Je disais ouais, comme à l'époque j'avais fait une vidéo spéciale avec comment ça s'appelle, sur Happy Wheels. Je pensais vous en refaire une aussi, mais je sais pas trop, voir si ça vous avait plu, vous me direz dans les commentaires. Et là on se retrouve du coup pour un petit nouveau jeu, Worms Revolution. Enfin nouveau, pas nouveau, mais voilà, les Worms, je crois que le premier Worms auquel j'ai joué, c'est... Il est pas doué lui. Ah si. Le premier Worms auquel j'ai joué, c'était Worms 3D sur PlayStation 2. Ceux qui s'en souviennent étaient super sûrs. Et du coup, ouais, mais du coup j'avais connu Worms uniquement en 3D en fait. Après bon, j'avais déjà vu des... peut-être pas des vidéos, mais je sais pas, je connaissais Worms en 2D. Je sais absolument pas d'où, mais... premier Worms auquel j'ai joué, c'était en 3D, donc c'est sympa. Puis voilà, ce jeu est juste énorme, les... il n'y a pas grand chose à dire de plus quoi. Lui, on va le faire décoller un peu avec ceci. Ok, donc on va pas le faire décoller. Pour mon gars, tu vas pas me saouler hein. Moi je te le dis direct hein. Loup. Non, rebondis pas. Bien joué. Oh non, c'était un... c'était un éclat de caillage. J'ai cru que c'était un éclat de la grenade. Ah, pour ceux qui connaissent pas Worms, donc bah, le principe est simple. On est sur une petite map comme ceci. On a des vers de terre, des petits vers. Et on a en fait chacun... Enfin, chaque équipe a une... est composée de vers, comme ceci. On a une... toute une panoplie d'armes. Et avec ces armes on doit éliminer l'équipe adverse, c'est aussi simple que ça. On a certaines fois, enfin des fois apparemment pas en mode solo là, sur celui-là, je sais pas trop. Mais en général on a des caisses qui tombent du ciel, des caisses d'armes, des caisses de vie, etc. On a ensuite les petits, comme le téléphone que vous voyez là, ou la bouteille d'eau, on a des petits éléments de décor qui sont
Enfin, même si le reste de la map est destructible, on a des petits éléments de décor comme ça qui sont destructibles et qui apportent certains petits bonus quand on les détruit, comme la bouteille d'eau par exemple, si on la casse, ça fait couler de l'eau. Le téléphone, je sais pas trop. Il y en a certains, espèces de champignons chelous, ça dégage du poison quand on les casse. Qu'est-ce que je peux faire, moi? On va faire ça, je crois. On va aller lui pouler de sa face à lui. Non, il est trop loin. Bon, bah... Grenade à fragmentation. Non. Grenade. Non. What? C'est laquelle? Si, c'est ça. Fragmentation. Un petit peu parfait, j'ai envie de dire. Non? Un petit peu parfait, ouais. Genre, il est pas mort. Ok. Et puis voilà, le principe est simple. Faut défoncer l'équipe adverse, ça, tout simplement. Et là du coup en solo, parce que bah, vu que le jeu date un peu, il n'y a pas grand monde en ligne. Mais je vous ferai peut-être à l'occasion une vidéo avec Erzurgus. Pas mal. Ou Geek. Ou tous, je sais pas. Je sais pas si c'est possible de jouer plus de deux, je pense pas, mais... Enfin plus de, ouais, plus de deux équipes. Hi dude. On va mettre un petit coup de lance-roquette dans sa tête à lui. Parce qu'il le mérite, voilà. Je suis tombé. Merci. Surprise, motherfucker. Voilà, toi t'es mort. Suivant. Moins 1. Je me démerde pas mal pour cette partie. J'en ai combien? J'en ai 3, 4. J'en ai 0 qui est mort. Ils sont morts, pardon. Énorme. Énorme. La map est trouée de partout déjà, c'est pas mal. Je pourrais faire le gros bâtard en fait. Vous voyez le tout en haut à droite, là, il y a une espèce de lac, une espèce de enfin de lac. Il y a une espèce de poche d'eau. Si je la trouve juste au-dessus de sa tête, c'est-à-dire que toute l'eau va lui couler sur la gueule et ça va le noyer, ça va être trop cool. Lui il est un peu bloqué, tous les coups il va tirer dans le mur pour faire un trou. Voilà, vive l'IA. Voilà, tellement prévisible. Il va sauter ou ceci mais il va se noyer. Ok. Comment on se le fait? On va tester la grenade normale. Ça va jusqu'à 5 je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5. Ça va être chaud d'ici. Faut que j'avance un peu. Les musiques sont sympas. Sont très sympas sur celui-ci. The Worms. Alors, est-ce que j'y arrive ou pas? Oh fuck. Oh, oh, bien joué ça. Tellement pas prévu, mais bien joué. Moins 1. Il manque plus que le dernier. On va aller le chercher en jetpack, lui, je crois. Ah non, même pas, je vais faire mieux que ça. Si j'y arrive, je vais faire mieux que ça. Enfin, peut-être qu'il se bouge un peu l'oignon par contre, parce que... Il a de quoi faire du bon frag en plus, là. Il tire au lance-roquette, il tire pas trop mal, il a les 4 en même temps. Ou 3 minimum. Ça, faut qu'il se démerde pas trop mal, quoi. C'était déjà pas comme ça. Boss. Ok, t'as voulu jouer ma gueule. C'est parti. Tu vas prendre cher. On va faire ça. Et on va essayer de viser pas trop mal. À savoir comme ça. Ah oh, fuck, j'aurais dû tirer un peu plus. J'ai pas calculé assez bien la courbe. Dommage. Dommage. Ah, en tout cas, ça me fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur un autre jeu. Sur un autre jeu de Minecraft. En ce qui concerne d'ailleurs les petites nouveautés de Minecraft, enfin les petites nouveautés. L'heure détente, ça continue, hein, je vous rassure. Simplement que je fais énormément, mais énormément de choses en même temps. En ce qui concerne la chaîne en tout cas. Puis à côté de ça, je fais aussi pas mal de... Mais je suis vraiment débile, hein. J'ai aussi pas mal de choses qui se passent à côté. C'est assez complexe à gérer. Pour vous avouer, l'heure détente, je crois que j'ai pas mis les pieds sur la map depuis... Depuis 2-3 semaines, je crois. Je suis... voilà, j'ai juste pas le temps en fait. Donc je vais essayer quand même de terminer. Parce que je sais très bien quoi faire pour le prochain épisode. Je vais juste essayer de terminer ça au plus vite. Toc, qu'est-ce qu'on va lui mettre à lui? Bon, on va aller le chercher en fait. Merci à ma gueule. On va le faire décoller un peu. Non, même pas. Allez, on va lui mettre une petite dynamite, c'est le truc qui fait le plus mal au corps à corps, ça. Saute. LOL. Si tu meurs à côté de moi, je te défonce. Non, il sera pas mort, je pense.
Ça fait mal. Ça fait très très mal. Ouh, je vais avoir très très mal aussi. Et donc, ouais, art détente. Sur un tour, je voulais map maker, je sais pas trop quoi faire. En ce qui concerne cette série, étant donné que. What, il a passé son tour, je rêve. Il est con. Ouais, bon, ok, il est un peu débile. On va faire. Attendez, juste 2 secondes, sélection du vert. Merde. Mais non, mais t'as face. Voilà, c'est celui-là que je veux. Oui, mais du coup, je voudrais bien regarder là-bas. Voilà. Donc, je disais... On va lui mettre un petit coup d'usi. Hein? Parce que je suis toujours bon, l'usi. On va lui remettre un coup de... Ah, une mine, tiens, c'est sympa, ça. Bonne nuit. Merde, je suis tombé avec. Fuck. Voilà, très bien. Ouais, mais surtout, je voulais mettre maker, je manque un peu d'idées, et en plus de ça, enfin, à côté de ça, j'ai le manque de temps, pareil que pour l'heure détente, hein, je veux dire, c'est pas juste pour l'heure détente que je manque de temps, c'est un petit peu pour tout. Plutôt brutal, une agression injustifiée de la pire espèce, monsieur, magnifique. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Et puis voilà, continue, yeah. Pour Monsieur Hampton, j'ai Mapmaker, voilà. Après, il y avait d'autres trucs. Portal 2, la coop, je sais pas si... Enfin... J'ai pris pas mal de plaisir aussi à faire la coop, effectivement. Mais là, on est arrivé à un stade où... ça devenait complexe, ça devenait limite chiant au niveau des niveaux. C'est quoi, ça? Oui. Ouais, ça devenait limite chiant au niveau des niveaux et du coup au niveau des niveaux, pas mal. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, 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 yeah. On va essayer de les noyer. Salut man. Oh la vie qu'il a perdu. Mec, c'est une bouteille d'eau man. Voilà. C'est pas très équilibré là, vous voyez les barres de vie en dessous, ils ont largement moins de vie que moi, je sais, voilà, c'est la campagne en fait, c'est l'histoire, c'est le mode histoire du jeu. Voilà. Il passe son tour ce con en plus. Et puis voilà. Pour Portal 2, c'est... voilà, je sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce qu'on va leur mettre dans la tête Un peu trop pas assez puissant, hein, voilà. Et après, à côté de ça, faut savoir que je passe énormément de temps là à filmer sur le serveur des pixels. Vous en voyez pas la couleur parce que c'est normal, je filme que du The Walls, quelques fois du Blitz. Pour vous préparer, là, je vous préparais un deuxième Zap The Walls pour les spéciales 2000 qui sortira bien évidemment, pas pour les 2000 du coup. Hein, je me suis pris un petit peu en retard, mais j'essaierai de sortir ça le plus vite possible. Là j'ai tout ce qu'il me faut niveau vidéo, je suis en train de montage, donc bon, ça va être assez... Pleine face. Ça va être le plus long, parce que j'ai un peu plus de 2 heures, j'ai 2 heures et quart de vidéo je crois à raccourcir. Enfin, quand je dis raccourcir en fait, c'est pour vous donner un petit peu une idée du taf qu'il y a à faire pour le zap. C'est-à-dire que sur 2 heures et quart de vidéo, je dois regarder chaque fichier, parce que j'ai 2 heures et quart de vidéo en 6-7 fichiers, je crois. Donc je dois regarder chaque fichier, noter ou retenir en tout cas les moments les plus marrants, découper ça dans le logiciel de montage, ensuite faire le tri, parce que... Après, c'est sûr que je vais... Enfin, c'est sûr, non, c'est pas sûr, mais vu les conneries qu'on a fait, c'est sûr qu'il y aura pas mal de moments marrants. Et du coup, vu qu'il y en aura pas mal, ça va être... Même après premier découpage, en fait, je vais me retrouver avec... je vais me retrouver avec encore 30 minutes de vidéo, quoi. Donc je vais devoir encore choisir ou raccourcir certains, etc. Et voilà, et c'est très très long. C'est très 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 long. Voilà, ce sera ma priorité, disons, pour moi. Et ensuite, à côté de ça, je suis en train de préparer un truc que ça faisait longtemps que je préparais. Ça a pas grand chose à voir avec YouTube, ça a en tout cas beaucoup à voir avec Minecraft. Je peux pas vous en parler parce que voilà, c'est la petite grosse surprise. En tout cas, j'espère que c'est un projet en fait, c'est un projet que je me suis donné, j'espère que j'arrive au terme de ce projet. Un peu short. Stupid. C'est marrant.
Et voilà. Et ça aussi, ça me prend énormément de temps. Et lui, il va encore passer son temps parce que c'est un bolos, il n'arrive pas à sortir de là. Non, même pas. Il va pas passer son tour en fait. Il va passer son tour à essayer de sauter. Ok. Je fais ce qu'il veut. Ça me laissera le temps de parler comme ça. C'est cool, merci mec. Ah non, ça y passe son tour. Et du coup, voilà, c'est un projet qui me demande énormément de temps. C'est du développement. Du développement de mon ancien métier. Et voilà. Et ce genre de choses prend énormément de temps, surtout qu'il y a des circonstances qui font que ça me prend encore plus de temps. A savoir que je crois que je dois être le seul mec au monde à vouloir développer dans un langage que je ne connais pas. Ça aide absolument pas quand vous essayez de coder quelque chose. Bam! Ouh, la mine! Pas mal. Oh, il est mort, ça va exploser, ça va péter le tonneau. Oh, magnifique. Oh, énorme! L'autre à droite, il est mort? Non, que de PV, dommage. Bon, l'autre, il va se noyer, de toute façon, on s'en fout. Et donc voilà. Et puis voilà, c'était pour les petites nouvelles, histoire de quand même. Je sais même pas combien de temps va durer la vidéo, après celle-là je pense que je vais arrêter. Avec le petit crâne derrière. Non. Aïe. Il visait qui, lui, j'ai pas compris. Je me demande en fait, un petit peu. Voilà, c'est ce genre de... Merde, comment vous montrer? Là, dans la direction où je vise, l'espèce de poisson chelou tout rond là. Truc tout vert, tout rond. C'est un poisson en fait, quand vous le cassez ça libère du poison. Et en fait en fonction du vent, le vent c'est le petit carré, le petit HUD là qui est en bas à gauche de mon écran, là où il y a la croix rouge. Donc là c'est qu'il n'y a pas de vent. Quand il y a du vent il y a une flèche. Et il y a les 4 barres en dessous qui donnent la puissance du vent. Et en fait quand vous pétez ce poisson, le poison se libère. Et il se libère en direction du vent en fait. Donc, ça peut être intéressant pour empoisonner ses ennemis. Alors lui il va prendre tellement cher, mais genre tellement, genre... YOLO. Ça c'est fait. Et voilà voilà. Chasseur de soleil. C'est le nom de leur team, j'ai jamais compris. Je le sens mal. Encore fail. Pourquoi ils savent pas tirer? Je crois que c'est parce que j'ai mis le jeu en facile. Je suis pas sûr. Je me souviens plus en fait. Ah bah là c'est vraiment facile. C'est vraiment très simple. Alors attendez, on va essayer de faire un double. Genre comme ça. Merde. Bon bah c'est pas grave, tu vas prendre dans la nature. Putain comme ça vole. Il est mort ou pas? Non, déçu. Déçu. Je voulais balancer entre les deux et qu'avec les rebonds de la fragmentation ça pète les deux, mais dommage. Bon lui on va encore essayer de. Il va encore passer son tour à essayer de sortir, débile mental. Et du coup voilà, pour les petites spéciales de mine, il y aura ça, donc il y aura cette petite vidéo. J'espère que vous fera plaisir. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas un bouclier ou un truc du genre? Ouais, c'est pas très grave. De toute manière, il va mourir. Merde! Fail! C'était dangereux ça, dis donc. Comment se fail totalement? Ah, voilà, donc je disais, oui, pour la spéciale de mine, il y aura cette petite vidéo qui j'espère vous plaira. Je ferai sûrement une autre vidéo très très conne sur, sur Happy Wheels. Je verrai pour faire une vidéo sur un autre jeu, je sais pas encore lequel. Mais je verrai, peut-être pas, pas sûr. Puis il y aura le Zap the Walls et voilà. Et puis le gros projet que je prévoyais de terminer pour les 2000 abonnés, qui sera sûrement, mais vraiment pas terminé pour les 2000 abonnés. Donc je pense que ce sera pour un autre stade, un autre palier. Ou peut-être entre temps pour vous faire plaisir, voilà. Que puis-je faire? Je vais peut-être arriver à les avoir, ces deux trous du cul là, avec ma petite grenade à frag là. Espèce d'enfoiré! Ouais, nickel. Bon, il y en a un qui est mort, l'autre est pas mort, dommage. Mais ça fait déjà pas mal. Ah bah lui, il s'est noyé. Bah c'est cool, ça fait du... Yeah! Double kill! Ça fait quand même le double. Petit coup de café. Ah, voilà, pour fêter ça. Ah là là là. Qu'est-ce qu'il fait? Réfléchis. À quoi tu réfléchis, man? Tu vas encore tirer comme un pied?
Même mes pieds tirent mieux que ça, man. J'ai peur. Il va encore se faire. Très joli lancer à côté de la plaque. J'ai rien dit. ça fait plutôt mal. Espèce d'enfoiré de bâtard. Ok, tu veux jouer, man. Tu veux jouer, t'es sûr que tu veux jouer. Mais il est où? Là, je le vois plus. Ah, c'est peut-être possible, faut voir. On va essayer de faire ça. J'ai pas un kamikaze là? Ah merde, j'en ai pas. Oh dommage, c'est trop marrant ce truc là. Bon, on va lui mettre un petit coup d'usi alors. Il lui reste 10 PV de toute façon. Oh, le petit lag. What? Faut rester appuyé ou bien? Merde, je crois qu'il faut rester appuyé. Fuck. Ah, c'est pas grave. C'est con en fait, je pensais... T'es sérieux mec? Je te pisse dessus, genre. En fait, je pensais pas qu'il y avait le petit morceau de décor derrière lui, du coup je lui mets une grosse pichenette ou un truc du genre. Mais voilà. Il y a rien d'intéressant en plus, bouclier, on s'en fout, télékinésie... Ah, télékinésie, ça peut être marrant. Ouais, ça peut être marrant, la télé... Ouh, j'ai fait une fail. La télékinésie peut être très marrante. Si je me fail pas trop. Ne tombe pas. What? T'es sérieux? Mais genre, ça veut pas marcher. Mais t'es méchant. Je fais durer la partie, un truc de ouf. Je pourrais le tuer quand je veux, quoi. Parce que là, à la limite, même si je le touche pas, même si je shot à côté, le truc, il aura 5 PV, quoi. D'accord, donc mec, je te déteste très grandement. Voilà. Voilà, voilà. Espèce d'enfoiré. Ok, donc toi tu me fais pas de cadeau, donc je t'en ferai pas non plus, mec. Voilà, hein, comme ça c'est dit, voilà, c'est dit, c'est fait. 8 PV, t'es mort. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais venir te poutrer la luce en personne. Nickel. Fuck. Allez, monte, putain. Non putain. Mais je suis vraiment un... Bon, et tu sais quoi mec, hop. Y'a pas de vent en plus. C'est pas tellement celui-là que je voulais viser en fait. Pour la petite info. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Dommage. Dommage, dommage. PV. Ah mais attendez, s'il est con ça peut marcher. Parce que s'il est con il va me tuer là. Sauf que s'il est con il va pas se barrer. Puis du coup en explosant je vais te faire tellement mal. Bon, tu fais quoi man? Ok, il vient de sortir un truc dans une langue tout à fait bizarre. Inexistante. Mais où est-ce qu'il va? D'accord, tout ça pour ça, mais ce type est sérieux, putain. Non mais... Bonjour, je tape une randonnée pour lancer un... T'es mort. Donc... Hop. Va faire un coulant. Yo lo 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 lo. Dans ta face. Voilà. Comment ça, 2 PV, t'es sérieux? Ah, j'ai eu peur quand même. Ouf, 73. Il y a eu l'explosion du briquet, du morceau de décor, là, il me semble aussi. Ah, cool. C'était cool. C'était cool, c'était cool, c'était cool. Bon, bah écoutez, 2 victoires. Hein. C'est swag. Vous me direz si ça vous plaît, comme ça j'en ferai peut-être avec Ara. Parce qu'en multi, c'est encore plus marrant. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Puis merci encore pour ces 2000 abonnés. Ça me fait très plaisir. Et puis ça me fait encore une fois... Ça fait toujours bizarre en fait de passer encore un palier de 1000 ou ce genre de choses. Ça fait vraiment plaisir, voilà. En tout cas, je vous dis merci beaucoup. À la prochaine. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous aimez ce petit jeu sympatoche. En attendant, je vais aller acheter des accessoires. Non, je déconne. Et mes verres, ils ont trop la classe. Right. Ok, allez.
Ciao ciao. Oh, Splinter Cell. Alright. Non, je préfère ça.